Derby entre Pluvigné, ici Short Blanc, et la Guidelloise pour cette 16e journée de championnat régional. L'issue de la rencontre va respecter le classement et refléter le parcours des deux formations cette saison. Après un premier set serré, enlevé par Guidel 25-21, les deux suivants sont une formalité pour les joueurs locaux. Guidel s'impose 25-14 et 25-17 face à des Pluvinois désarmés. Nous avons effectivement accroché Guidel dans les 8 premiers points. Et après, nous les avons laissés partir sans pouvoir les dominer dans le jeu. Il y a un manque de prise de responsabilité de tous les joueurs. L'effet groupe, donc nous sommes écroulés mentalement. Ça a bien joué, tout le monde. On était actifs au bloc surtout. Là, on était bien mobile. Il y avait de l'efficacité sur les réceptions, sur l'attaque. Ça bougeait bien. On est content effectivement. C'était un chouette match, on s'est amusé et c'était bien, l'ambiance était là. Après ce nouveau succès, Guidel, dont le maintien ne fait guère de doute, regarde désormais vers le haut du classement. On voudrait se situer et terminer dans les 4 premiers, qui est l'objectif un peu de la saison. Maintenant, on vient descendre de pré-national, est-ce qu'il faut remonter? Parce que c'est pour faire des saisons très difficiles avec beaucoup de défaites, très peu de victoires. Moralement, c'est pas facile non plus. Reste à ce niveau-là, c'est terminé dans les 4 premiers, et puis de reconstruire, de repartir pour la saison prochaine. A contrario, Pluvigné, qui restait sur 3 victoires en 2016 après un début de saison catastrophique, reste relégable. Mais l'espoir de s'en sortir reste de mise à une condition. Changer complètement de mentalité. Sur les 6-7 qui étaient là, il n'y en avait que 3 à l'entraînement hier. On ne peut pas répéter une situation de jeu, une situation de contre-défense, on ne peut pas répéter ce genre de choses puisqu'on est un petit peu sur l'entraînement à la carte. L'objectif, c'est d'essayer de gagner des matchs et de remonter au classement. On se bat. Là, j'ai l'impression qu'on a abandonné assez vite les choses. Nouveau derby en vue samedi prochain. Pluvigné se déplacera à Lorient, tandis que Guidel affrontera Malguenac.